précédemment dans le comte de Castelbajac. Monseigneur, je dois quitter Paris-Séan. J'ai enfin retrouvé la trace du corbeau noir. Je te sers quoi ? Les fraises. Et avec une paille. Il n'y en a pas. Terre. Il n'y a pas de passion que j'ai acheté. Ouais, mais non, mais bon, attends. Ah oui, non ! Bonjour, c'est une façon de boire une glace. Vous cherchez quelque chose, messire ? Je cherche cet homme. Comte de Castelbajac, je vous arrête pour le meurtre d'un garde royal. Je vous somme de me suivre sans opposer aucune résistance. Que ? Moi, le comte de Castelbajac, je me suis fait eu. Je m'en vais comme un prince. C'est pas moi qu'elle voit à l'armure. Parce que t'aurais tout fait foirer. Je suis le comte de Castelbajac, là là là, je donne des ordres. Le plan a fonctionné à merveille. Désormais, tout le monde pense que le comte de Castelbajac a été arrêté. Il en est où ? Je
Waouh. Moi, ouais, je l'aurais pas construit comme ça. Marty. Marty. Marty, par ici. Où êtes-vous? Je suis là. Attrapez-moi, Marty. Ouh, j'ai t'attrapé. Derrière vous, Marty. J'adore ce jeu. Marty. Où êtes-vous? Je t'entends. Venez, Marty. Je suis là. Derrière vous, Marty. Venez, par ici et non, par là maintenant. Oh, puis tu vois, c'est terne. Enfin, moi, je l'aurais mis en gris et prune. Marty. Marty. Marky. Mais c'est vous, père? Maman? Oh, pardon. Veuillez m'excuser, mon jeune ami. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Comme vous pouvez le voir, je prends du bon temps avec mes favorites. Pour me pardonner mon geste ô combien déplacé à l'égard de votre personne, laissez-moi vous inviter à la fête que je donne en l'honneur de mon 50e anniversaire. Veuillez me suivre. Pendant ce temps-là, au château du roi... Alors il dit, t'es pressé? Je la raconte mal. Faites silence, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le constater, nous avons le plaisir d'accueillir à notre table Guillaume l'archevêque, Jean III de Montfaucon et Adélaïde de Macfélon. Soyez les bienvenus. Il faut partir. Bon, voilà ce qu'on va faire. On attend une heure. Et maintenant, en l'honneur de l'anniversaire de mon époux, mon fils bien-aimé, pour lui rendre hommage, a souhaité lui écrire une ritournelle. C'était un petit platane, c'était un petit platane, qui avait des racines au long là, qui avait des racines. Il avait des racines, il avait des racines, en développé couché au long là, en développé couché. Les petits chats en colère, les petits chats en colère, se mirent à danser au long là, se mirent à danser. Mais c'est pas chanté. Ouf. Moi j'aime bien. C'était la triste histoire, c'était la triste histoire d'un petit peuplier long là, d'un petit peuplier. Mais faites le taire, morbleu! Si personne ne fait taire ce bardaillon, je vais le faire moi-même. Hourra, mon fils! La sirène indéterminée.
Elle est tombée dans les pommes. Il suffit ! Je vous ai offert l'hospitalité, et voilà comment vous me remerciez ! En tuant mon fils, la chair de ma chair, le sang de mon sang, pour laver ce déshonneur, je vous provoque en duel ! Le comte va-t-il mener à bien sa mission ? Survivra-t-il au courroux du marquis de Saffré ? Et quel secret se cache sous le voile de la mariée ? Vous le saurez en regardant le prochain verset du conte de Castelbajac. En même temps, il chantait pas bien. Certes. Mais c'est pas une raison !